están? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas lo que tengan en el momento que estén viendo este video. Aló por le francophone, le français va suivre. Je vais tenter d'être bref, mais on verra qué se pasa. Entonces, empiezo en español como siempre. Y el tema de hoy es un tema muy interesante que tengo que confesar que estoy un poco cansada hoy. Y estoy pasando por encima de mi cansancio de las cosas que tengo que hacer para hacer este video ahora, porque creo que es muy, muy importante que yo lo esté haciendo. Y espero que llegue a las personas que tienen que llegar, las personas que tienen que escucharme, o que llegue a las personas que tienen que escucharme para repetir después lo que estoy diciendo a su manera, por supuesto. Pero es importante que se hable de esto en el día de hoy. Hay una guerra que me está como sonando en los oídos. Me dijeron que Rusia invadió Ucrania. Me dijeron no. Específicamente vi un video acerca de eso y varias publicaciones en Facebook, me lo están confirmando. No es una noticia para la gente que me conocen bien. No es raro el hecho de saber que yo no veo televisión, por lo tanto no veo noticias. No me interesan los periódicos. Por lo tanto, todo lo que dicen los medias, a mí no me interesa porque yo no lo sigo ni en la televisión ni en el periódico. Entonces, voy a hablar de este tema hoy, la guerra. Se dice, fíjense que voy a decir, mira, libretica con noticas. Entonces voy a leer mis noticas para que el video sea lo más breve posible. No quiero pasarme una hora hablando. Voy a tratar de ser breve porque ustedes saben que hablo cantidad. Entonces, la guerra. ¿Qué podemos decir de la guerra? Lo primero que yo tengo que decir, y empiezo o comienzo diciendo, repitiendo lo que muchas veces he dicho, que en mis videos yo doy mi punto de vista según mi enseñanza, el entrenamiento que se me ha dado a mí. Mi verdad no tiene por qué ser la tuya, por lo tanto, si no estás de acuerdo, está bien así. Si estás de acuerdo, también está súper bien así. Continúo. Lo primero que yo tengo que decir acerca de la guerra es que la guerra está dentro de ti. La guerra está dentro de nosotros mismos. No, porque la culpa es del presidente que atacó no sé qué cosa, y que entonces que si el gobierno comunista, que si el gobierno capitalista, que si el gobierno fascista, que si el gobierno... No. La guerra está en el consciente colectivo. No es la primera vez que lo digo. Es la primera vez que lo digo en esta red social. Probablemente me van a estar viendo ahora en YouTube. Probablemente. Es la primera vez que lo digo aquí. Entonces, la guerra está en el subconsciente colectivo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando vamos al cine y vemos una película de acción? La mayoría, yo por supuesto que ya teniendo un cierto conocimiento, pues ya yo soy capaz de reírme de todo eso. Pero quien no está consciente de lo que está pasando en su cuerpo, ¿qué pasa? Saliste a ver La Matrix y sales y te sientes que eres mío. ¡Eres Trinity! ¡Ah! Entonces quieres utilizar tus poderes para neutralizar a todos. Y quieres matar a todos los abusadores. Los violadores están de más en el planeta. Los pedófilos deben estar todos muertos. Los presidentes son unos locos. Los drogadictos no tienen que existir. Los padres injustos se tienen que morir. Etcétera, etcétera, etcétera. Porque tú te sientes que tú eres el justiciero o la justiciera del planeta. Simplemente porque viste, no sé, La Matrix, viste Spider-Man.
El agente 007, yo no sé. Cualquier película de acción, saliste del cine y la gente sale envalentonado. Pocos son los que salen románticamente besándose, la mayoría de los que salen románticamente besándose. Después que vieron una película de acción es porque la acción de ellos no tenía nada que ver con lo que estaban viendo en la película. No sé si me explico, ustedes todos son adultos, si no, no estarán aquí viendo mi video porque yo no hago videos para niños. Entonces, otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando alguien violento consume drogas? Fulano se volvió loco. Fulano se volvió loca. Las drogas la tienen loco. Las drogas la tienen loca. No, fulano simplemente es un ser violento que con ayuda de las drogas sacó al exterior toda su violencia. Pero él ya era violento, ella ya era violenta. Entonces lo que está haciendo es reprimiéndose todo el tiempo esa violencia que no saben controlar, porque en la mayoría de los casos ni siquiera es voluntario, es simplemente que no la saben controlar su violencia. Yo sé lo que es porque yo cuando era más joven yo era muy violenta, sobre todo en mi casa. Por eso que las amistades no lo saben. Entonces yo tuve que controlar eso. Pero hay gente que no saben, la gente que no saben cómo controlar eso, y como tú no sabes cómo controlar eso, pues entonces cuando consumes un poquito de marihuana o una línea de cocaína, lo que sale por la puerta de tu casa es un tren. Y lleno de pasajeros y todos enfermos. Entonces, por supuesto, si alguien no controla lo que tiene adentro, todo lo que tú puedas consumir va a sacar lo que eres. Ah, que fulano consumió droga y al final lo que le das por tocar y toca bien. En el caso de muchos músicos que consumen droga y tocan mejor que cuando están sobrios, es porque en el interior de ellos, esa gente no son violentas. Claro, como la mayoría de los seres humanos tenemos un cierto grado de violencia en el interior, por supuesto que si lo buscas, lo vas a encontrar o la vas a encontrar. Porque a nadie se le ha enseñado, en la escuela jamás te han enseñado cómo controlar tu ira. Al contrario, te enseña a ser un pionero explorador, en el caso de los cubanos. Te enseña a prepararte para la guerra. Siendo una niña, yo tenía mis clases de pionera exploradora. Y era muy buena porque, bueno, al final yo lo tomaba todo eso como una gozadera. Como una gozadera, entonces que se hacen los primeros auxilios y todo eso. Siempre yo hacía, hice hasta competencia en la secundaria de primeros auxilios. Imagínate. Sin embargo, en la secundaria nunca me enseñaron cómo controlar la ira y cómo hacer posible de que no exista la guerra en el mundo en lugar de prepararme para ella. Entonces te enseñan a prepararte para la guerra, quiere decir que ya te están metiendo en el subconsciente tuyo el chip de la guerra desde que naciste. Y eso no solamente en Cuba, en los países capitalistas los niños no son pioneros exploradores, pero sin embargo los padres tienen en su cabeza que en un momento determinado tienen que prepararse por si viene la guerra, saber lo que tienen que hacer. Ya está en el subconsciente colectivo. Sigo, otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando alguien se entera o se desilusiona por una gran traición? En esa gran traición, por ejemplo, podemos poner la infidelidad, la tan conocida infidelidad, sobre todo entre los latinos. Y fíjense que estoy hablando español, en eso todos los latinos me van a entender. Todos los hispanos. ¿Qué se entera? La mayoría de las mujeres son las que tienen esa reacción. Los hombres también, pero los hombres son peores. Ellos matan. Las mujeres quieren darle golpes a la otra mujer. Le entran a ella al marido, si tienen valor de hacerlo, porque siempre la cogen con la otra mujer.
le alan los pelos, tú eres una puta, tú eres una no sé qué cosa, tú eres una no sé qué cosa. Entonces el caos, porque el tipo se acostó con otra. Y después tengo que aguantar que la misma mujer esté en una manifestación en la calle diciendo que quiere la paz del mundo. ¿Qué fue lo que me perdí? ¿Qué fue lo que me perdí? Está en la calle reivindicando la paz, ciudad de la paz. En el mundo tiene que acabarse la guerra. En el mundo tiene que acabarse la violencia. Mami, si tú eres la primera que cuando tu marido se acuesta con otra, le quieres caer a galleta a la tipa. ¿De qué paz me estás hablando que yo no puedo entenderla? ¿Dónde está la paz en tu interior? Ah, que cuando te son infieles duele. Por supuesto que duele, yo sé lo que es. Yo tengo mi carácter, pero también soy un ser humano. Por supuesto que me fueron infiel. Por supuesto. Ah, que como yo tengo mi carácter, la persona pagó las consecuencias y todavía le duele. Eso es un problema de él. Eso es un problema de ella. Ambos hicieron lo que tenían que hacer. Se les calentó la cabeza. Tuvieron su momento de placer. Pues, si lo quieren repetir, que se aprendan la canción. Todo fue lindo y ojalá que se repita. Lo pueden repetir. Pero yo no tengo nada con esa historia. Ah, que lloré, por supuesto, lloré muchísimo. Lloré cantidad. Lloré cantidad. ¿Para qué voy a engañar a nadie? Pero yo tomé mis medidas. Yo no tengo que darle golpe a ella ni tengo que darle golpe a él. ¿Por qué? Porque eso me afecta a mí, mi paz interior, que yo en ese momento ya estaba empezando a buscar. Y para mí eso me llegó como una prueba en mi vida de que yo tengo que enfocarme en mi paz interior. Y entonces parece que eso me llegó como para saber, para que yo me diera cuenta cuánto yo quería la paz en mi vida. Sigo. Si quieres paz en tu vida, tienes que tener paz dentro de ti. Sigo repitiendo lo mismo. Y sigo repitiendo lo mismo. Lo mismo que acabé de decir. Si no tienes paz en el interior, no vas a poder hacer nada para erradicar la guerra en el mundo. Porque no tienes paz tú. ¿Cómo vas a ser un ícono en la construcción de la paz si tú no eres paz? Tienes que ser paz para poder ser un ícono en la construcción de la paz. Tienes que buscar la manera de aprender cómo construir la paz dentro de ti. Hay mucha información hoy en día. En un momento determinado yo puedo hacer un video al respecto. Pero hoy en día hay muchísima información que tú puedes buscar sin necesidad de que yo haga ese video. Entonces, por ejemplo, para seguir de largo y ser lo más breve posible, ¿cómo tú crees que si tú siembras tomate, por supuesto que vas a tener una mata de tomate, cómo tú crees que el tomate te va a saber a pera? ¿Cómo tú crees que el tomate va a tener gusto a fresa? Si tú quieres comer fresas, tienes que sembrar fresas, mi amor. Si quieres comer pera, tienes que sembrar peras. Y si quieres tomate dulce, tienes que echarle azúcar. Pero no te vas a ver a fresa. Sigo. Busca la manera de conocerte. Esto sí, ya yo lo vengo diciendo también. Es una redundancia que voy a hacer. Pero bueno, como lo apunté aquí, voy a decirlo por si acaso para que quede más claro todavía. Busca la manera de conocerte a ti mismo, a ti misma, y transformarte antes de querer transformar al mundo. Ahora todo el mundo, terminen esa guerra, por favor, acaben con la guerra, por favor, terminen la guerra. Conócete y mira a ver qué parte de responsabilidad tienes tú
en la construcción de todas las guerras actuales. Todos tenemos que reconocer nuestra responsabilidad en la construcción de las guerras actuales. Eso se ha construido gracias al subconsciente colectivo. Y los humanos que no han participado en la creación de dichas guerras, ni siquiera están enterados. Están en alguna parte del bosque o alguna parte de este mundo, tranquilos, viviendo la paz que hace muchos años llevan construyendo. Incluso en Rusia, hablando de Rusia y Ucrania, Ucrania yo no sé, en Rusia hay gente que han renunciado a todo y que vive en el bosque, desconectado de todo. ¿Por qué yo lo sé? Ah, documental de YouTube. ¿Cómo se llama el documental? No me acuerdo, búscalo. Búscalo, porque tampoco, voy a cocinarte la comida y te voy a con el avioncito para te la comas, para ponerte la boquita. No, búscalo. Sigo. Para decrear, hice bien en escribir. Para decrear lo que no quieres. Para decrear lo que no quieres. Ya los conocidos están haciendo eso por ti. Pero en realidad quien toma la decisión eres tú. ¿Por qué estoy diciendo esto? Hay mucha gente que incluso yo sigo cada vez que puedo. Son gente ya conocida, bien conocida, youtubers bien conocidos, que dicen muchas verdades. Pero te siguen ayudando a prepararte para la guerra. Yo no te estoy diciendo que no estés listo. Yo no te estoy diciendo que no estés lista. Porque si no se erradica ese pensar del subconsciente colectivo, ahora es lógico que la guerra va a ser en el mundo entero. Si tú no quieres que haya guerra en el mundo entero, tienes que construir tu paz ahora. Y yo te garantizo que cuando tú construyes tu paz, la vida se las arregla para tenerte en zona de paz. Incluso dentro del caos. El caos no va a llegar a ti. Yo lo sé por experiencia. Te siguen ayudando a crear o a estar preparado para la guerra. Pero nadie te ha enseñado, nadie te da el truco para hacer tu paz, para seguir construyendo paz. Nadie te da ese truco. Entonces, por favor, enfócate tú en crear lo que quieres realmente en tu vida y para de crear lo que no quieres. Para de crear lo que no quieres. Seguimos. Estamos en el momento ideal de cambiar nuestra historia. Durante siglos, la humanidad ha vivido haciendo guerra, guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. Llega el momento que se convirtió en una cosa común. Por supuesto, espiritualmente queda como un conflicto entre humanos en el cual muchos seres no tienen derecho de meterse. Por lo tanto, si matas a tu hermano, eso es un problema. Guerras sin sentido. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene una guerra por un territorio? ¿Quién te dijo a ti que el territorio te pertenece?
todos somos hijos de la tierra y todos estamos en casa en cualquier parte del mundo. La tierra es una sola. Yo nací en Cuba, viví 12 años en Canadá, ahora estoy en México, pero mi casa es el planeta Tierra. Donde quiera que yo voy, yo estoy en mi casa, porque soy hija de Dios. Este es mi trono, es mi casa, donde yo me plante. ¿Qué cosa es un presidente? ¿Qué cosa es un primer ministro? Es un humano asignado por otros humanos para dar órdenes en un territorio que nos pertenece a todos. Una falta de respeto y una ignorancia humana. Entonces, estamos en el mejor momento de cambiar toda esa historia, porque no es el hecho de hacer un gobierno único, es el hecho de que un humano despierto no necesita un gobierno para funcionar. Y mucho menos un humano que te diga en masa lo que tú tienes que hacer. Es que no tiene ningún sentido. ¿Cuál es la inteligencia que se pone de manifiesto poniendo en práctica eso una y otra vez? No, vamos todos a tomar las costumbres indígenas o indias, de la India. Bueno, indígenas también, las costumbres indígenas. Los indígenas hicieron muchísima guerra. Antes que los españoles llegaran aquí, se estaban todavía peleando por el territorio. Y hoy por hoy muchos tienen hambre. Quiere decir que las creencias indígenas solamente no son suficientes. Si nos vamos a la India, todavía hay guerras. Y se han hecho muchas guerras en la India. Una cantidad de religiones que yo no puedo explicarte. Y hay muchos que hoy por hoy tienen hambre. Por lo tanto, las creencias de la India no son suficientes. Si nos vamos a Europa es la misma historia. Si nos vamos al mundo árabe es la misma historia. Si nos vamos a la África negra es la misma historia. Para que cambie el curso de la historia de la humanidad y que cambie la historia de la humanidad, todas esas creencias deben ser una, unirse, porque todas tienen razón. Donde pierden la razón es que están divididas, están separadas. Hay que unirlas todas. Y entonces, como en la unión está la fuerza, entonces en esa unión va a ser la fuerza suficiente que va a quitar del camino a todo aquello o todo aquel que provoque la guerra. Estamos en un mejor momento. Último punto. Esta guerra es, entre otras cosas, para ver cuántos humanos realmente quieren paz. Por supuesto, una manera muy interesante de tener la paz es hacer como nuestro hermano Jesús. Una galleta y ponías la otra cara para tener la otra galleta. Y ya, en paz. Nunca vas a repostar con el puño, porque si repostas con el puño, entonces no estás haciendo paz. Pero espiritualmente hablando, la paz llega a tu alma, cuando dejas de atraer todo lo que es contrario a ella. Repito, la paz llega a tu alma cuando dejas de atraer a ella todo lo que tiene que ver con lo que no es paz. Yo creo que he sido bastante clara. He hablado bastante. Voy a cambiar para el francés ahora porque me he extendido mucho. Yo espero que no se corte porque mi grabo, como siempre ustedes saben, hasta ahora con mi teléfono y tiene sus límites de tiempo. Entonces voy a cambiar por el francés y les deseo a todos los hispanos que tengan una tarde muy feliz. Por favor, piensen en esto. Compartan con quien tengas que compartir y nos vemos pronto. No. Alors, en français, je vais essayer d'être brève parce que j'ai pas beaucoup de temps. J'ai des choses à faire, mais j'ai tout arrêté pour faire cette vidéo aujourd'hui que je pense que c'est très important. Alors, je vais parler à propos de ce qui se passe maintenant
la guerre. J'ai su ce matin que, ou hier, j'ai su que Russie a rentré dans l'Ukraine, que c'est la guerre, etc. Je ne vais pas donner de détails, vous savez les détails partout. Moi, je ne vois pas de nouvelles, je n'ai pas de télévision. Mais ici où je suis en train de louer maintenant, on me dit que j'ai une télévision, mais je ne m'en sers pas. Des 12 ans que j'ai vécu au Canada, à Québec, j'ai passé les 8 dernières années sans télévision. Alors je ne vois pas de nouvelles, je ne lis pas de journal. Nouvelles, non, nouvelles, désolé. Je ne lis pas les journaux. Alors, moi, je suis au courant des choses parce que je suis de celles qui pensent que quand je dois savoir quelque chose, cette chose-là arrive à moi sans que moi j'ai besoin de sortir pour la chercher. Alors, on va être bref. La guerre. Qu'est-ce que j'ai à dire à propos de la guerre? Je vais commencer à dire, bien sûr, que tout ce que j'ai dit ici, c'est ma façon de penser, mon entraînement à moi. Alors, ma vérité n'a pas d'affaire à être la tienne. Ta vérité t'appartient et tu le fais comme tu veux. Si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est très bien comme ça. Si tu es d'accord avec moi, c'est encore bien comme ça. On se comprend. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire à propos de la guerre? La guerre. La guerre est à l'intérieur de toi. Je regarde en bas parce que je me fais mes petits, mon petit guide pour être plus rapide, malgré que je parle beaucoup. Je fais le guide en espagnol, alors s'il vous plaît, à un moment donné, ça va me prendre du temps pour essayer de traduire ça. Alors, la guerre est à l'intérieur de toi. La guerre est toujours créée par le subconscient collectif. Alors, des exemples. Par exemple, quand on y va au cinéma et on finit de regarder un film d'action, tout le monde sort de là, tout excité. Tout le monde veut être comme Spider-Man, tout le monde veut être comme Neo de Matrix, tout le monde veut être Batman, et tout le monde sort plein d'action. Ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu. Mais c'est sûr qu'il y a quelques-uns qui ont sait déjà ce qui se passe, on rigole de ça. On rigole. Il y en a, bien sûr, comme je dis en espagnol, certains couples qui sont du cinéma en train de s'embrasser tout plein d'amour parce que leur action n'avait rien à voir avec les films qu'ils étaient en train de regarder. On est tous des adultes et vous savez bien de quoi je suis en train de parler. Parce que, comme je dis en espagnol encore, je ne fais pas des vidéos pour les enfants jusqu'au présent. Alors, deuxième exemple. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est au courant d'une trahison? Généralement, les quelqu'un, j'ai mis l'exemple en espagnol de l'infidélité, malgré que les francophones, entre les francophones, il y a d'infidélité aussi, malgré qu'il y a beaucoup de femmes et de hommes violents, mais il y en a d'autres genres de réactions, surtout de part des francophones de Québec. Là. Je n'ai jamais vécu en France, alors je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais avec vous, je vais mettre un autre exemple. Généralement, quand vous êtes au courant, ou quand les gens sont au courant d'une trahison, la première réaction, c'est de voir comment est-ce qu'ils font pour se venger. Parce que la vengeance est douce. Et alors, quand tu fais souffrir à l'autre personne la même chose que toi dois souffrir, alors la satisfaction est tellement grande que tu n'as même pas de mots pour le décrire. Alors, ma question est cette satisfaction-là, t'enlèves-tu la douleur que t'as occasionné la trahison? Peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais rien, je te pose la question seulement. Alors, si tu veux la paix dans le monde, tu dois avoir la paix dans ton monde. Et si tu continues à penser de te venger de la personne, de faire mal physiquement ou mentalement à une autre personne, même si la personne a fait la même chose que toi avec toi, excuse-moi, avant, si tu as encore ce sentiment de vengeance, si tu as encore ce sentiment d'agression envers d'autres personnes, alors tu n'as pas la paix dans le monde. Tu ne peux pas être
un icône o una cellule que forma la gran fuerza que es la paz. Si tú veux être un agent de la paix, tu dois avoir la paix dans ta vie. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Troisième exemple. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un qui est violent prend des drogues? Mon Dieu, ma chance a rendu fou. Ma chance s'est rendue folle. Elle est folle, elle ne sait pas ce qu'il dit, elle ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il dit, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais dans le fond, ces gens-là, ils prennent la drogue. Et ce qu'ils font, la drogue, c'est sortir ce qu'il y a déjà dans l'intérieur de eux. Bien sûr, j'ai déjà parlé du danger de la drogue. Il y a des fois qu'il y a des êtres qui prennent le contrôle du corps. C'est vrai. Mais avant que ça arrive, la personne est en train de sortir ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, et c'est ça que doit à l'intérieur qui permet aux êtres qui sont à l'extérieur de toi de connecter avec l'énergie que tu as dans ton corps à ce moment-là. Si tu n'as pas de violence à l'intérieur de toi, il n'y en a pas un être invisible, violent, qui a le droit même de s'approcher à toi. Parce que ton énergie même le repousse. Il ne peut pas te pénétrer parce que tu n'as pas de compatibilité avec son énergie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, si quelqu'un qui prend les drogues devient violent, c'est parce qu'il y a déjà la violence à l'intérieur. Alors, même si cette personne elle est sobre, elle va devoir travailler avec son intérieur pour créer la paix dans son intérieur. C'est pourquoi il y a des drogués que tout ce qu'ils font, c'est dormir. Ou tout ce qu'ils font, c'est avoir du sexe avec son couple. Ou regarder des films, ou lire. Parce qu'il n'y en a pas de violence à l'intérieur d'eux. Alors, leur réaction, c'est se connecter avec d'autres choses. Comprenez-vous la différence? Alors ces gens-là, même s'ils sont sobres, ils se mettent à manifester avec vous à faveur de la paix, et la manifestation ne peut pas donner un bon résultat parce qu'il n'y a pas la paix à l'intérieur. Il y a la colère. C'est pourquoi les manifestations, en commençant par Québec, avec la manifestation contre la passe vaccinale et tout ça, ça a donné des résultats, mais ça n'a pas donné les résultats désirés parce que les gens, la plupart des gens qui sont en train de manifester n'ont pas de paix à l'intérieur, même s'ils te disent ça. Il n'y en a pas la paix. Ils sont encore avec la haine envers le premier ministre, envers les vaccinés, envers tout le monde. Il n'y en a pas de paix à l'intérieur. Comprenez-vous? Alors, c'est de cet exemple que vous voyez que la guerre est déjà dans le subconscient collectif. Ceux qui n'ont pas de guerre à l'intérieur, ils sont en quelque part dans la forêt, ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe entre Russie et Ukraine, ils ne vont même pas être au courant. Parce qu'ils sont dans leur monde. Et ce genre de gens-là qui créent des guerres, ils ne savent même pas que c'est. Ces gars et ces filles-là existent. Ils sont dans leur paix. Désirer et travailler. Je continue. Si tu veux la paix dans ta vie, tu dois faire la paix dans toi. Je viens de parler de ça exactement. Alors pour être bref, je ne vais pas me répéter. Parce que c'est ça. Tu dois travailler à l'intérieur de toi, c'est très clair. Si tu veux la paix, tu dois travailler dans ta paix. Alors, cherche la façon de te connaître. Qu'est-ce que tu es, qui tu es à l'intérieur de toi pour transformer ton être depuis ton intérieur pour pouvoir après avec ton renouvellement d'énergie aider
a la société à construire ou à reconstruire la paix, tu dois te connecter avec ton intérieur, à toi. Alors, je continue. S'il te plaît, arrête de créer, arrête de créer des événements que tu ne veux pas dans ta vie. La guerre, c'est notre faute à tous. On doit reconnaître notre responsabilité à nous tous pour la création de cette guerre. Parce que comme nous tous, on a au moins un indice de violence qu'on est tous en train de travailler ou pas, alors il y aura des événements comme ça qui se créent. Mais si tu arrêtes de créer et recréer les choses que tu ne veux pas, le miroir il va arrêter de te faire voir, de te montrer des choses que tu ne veux pas dans ta vie. Exemple, moi je dis, je n'ai pas mis d'exemple ici, mais je vais donner un exemple. Comme je dis en espagnol, oui exactement, les plus connus, les gens plus connus, il y en a beaucoup de gens que je suis parce que vous savez, j'étudie, je pratique, je grandis spirituel et consciemment dans les trois langues. Alors je vois des vidéos et je lis des vidéos en espagnol, en français et en anglais. Et ça fait qu'en sorte plus mon entraînement spirituel, privé, d'une façon que moi je demandais aux forces invisibles, ça fait en sorte que des fois j'avance assez vite. Alors, dans toutes les langues, ou presque toutes les langues, toutes les gens connus, les youtubers surtout, ils sont en train, les youtubers que moi-même je suis, parce qu'ils disent beaucoup de vérité, mais ils continuent à t'enseigner, à te préparer pour la guerre. Je comprends, que tant si longtemps que notre subconscient n'est pas loin de la guerre, on doit bien sûr être prêt pour la guerre. Mais c'est dans quelle année qu'on va commencer à construire notre paix? Comme je vous ai dit tantôt, c'est dans la paix intérieure. Tout ce qui est contraire à la paix, il va arrêter de t'approcher. Mais tu dois vraiment avoir la paix intérieure. Oui, c'est pas évident comme chemin. C'est pas facile supporter que quelqu'un t'envoie chier et le regarder en pleine face et le pardonner à l'intérieur de toi. Et le dire, même si tu ne le dis pas les mots, dire à l'intérieur, je te pardonne parce que tu ne sais même pas ce que tu es en train de parler. Ce n'est pas évident de faire ça. C'est sûr. Si quelqu'un t'envoie chier, mais la réaction, c'est l'envoyer chier après tout. Alors, c'est un travail qui se fait. Ce n'est pas impossible, mais c'est fait. Alors, l'exemple, c'est que beaucoup de YouTube sont en train de te dire de la guerre. À un moment donné, tu es en train de créer inconsciemment la guerre. Et tu es en train de t'unir à cette force commune qui est en train de créer la guerre. Quand, en réalité, on doit créer une force commune pour créer la paix. La paix. Mais pour que toutes les forces soient ensemble, il doit y avoir paix ou de la paix dans chacune des forces. Je vais continuer parce que je dis que je voulais être brève. Alors, on est dans les meilleurs moments pour transformer notre histoire. Alors, comme je disais en espagnol, si on prend les croyances
ancestral, por decirlo en fácil. On prend les Amérindiens, par exemple. Il y a beaucoup de gens maintenant qui veulent adopter les coutumes amérindiennes, chose que j'approuve, que j'adore, que moi-même je fais. Mais les Amérindiens, pour longtemps, se sont battus pour chacun de leurs territoires. Mes amours, on est tous chez soi. On est des enfants de la terre. On est des enfants de Dieu. Chez nous, c'est partout dans le monde. Je suis née à Cuba. J'ai vécu 2 années à Québec, Canada. Et maintenant, je suis au Mexique. Chez moi, c'est partout dans le monde. Où je mets les pieds, même si l'appartement est loué comme ici, là-bas aussi c'était un appartement loué. Où je mets les pieds, c'est chez moi. Je suis un enfant de la terre. Alors, les Amérindiens, ok. Dans votre cas, les francophones, c'est les Anglais, les Français qui sont arrivés détruire les choses amérindiennes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on prend les coutumes amérindiennes, regardez tout ce qu'ils ont souffert et tout ce qu'ils souffrent encore, il y en a beaucoup qui sont pauvres. Pauvres! Et qu'encore, ils sont chez soi, au moins ceux du Canada, ils sont chez soi, et encore, ils doivent suivre les lois des Blancs. Les enfants des colonisateurs sont eux qui continuent à faire les lois. Alors, les coutumes amérindiennes, ce n'est pas assez. Si on s'en va à l'Inde, par exemple, à l'Inde, il y en a encore des conflits. Il n'y en a pas comme d'autres pays, mais il y en a encore des conflits, je ne sais pas combien de religions, je ne sais pas combien de langues, combien de choses. Il y en a beaucoup qui sont recontra-pauvres encore, qui n'ont pas paix dans leur esprit. Alors ce n'est pas assez. Si on s'en va dans le monde arabe, c'est la même chose. Si on s'en va dans l'Afrique noire, c'est la même chose. Si on s'en va dans l'Europe, c'est la même chose. Alors, si chacune de cette force-là n'arrive pas à trouver la paix, comment ils vont faire la paix quand ils sont ensemble? Mais pour toi, que tu es en train de vivre l'histoire en ce moment, tu peux prendre un petit peu de juifs, un petit peu de musulmans, un petit peu de Yoruba. Yoruba, c'est une tribu, mais à Cuba, c'est vu les coutumes Yoruba comme une religion. À Cuba et dans presque toute l'Amérique latine, à Cuba, parce que d'arriver, ils ont synchronisé le catholicisme avec les coutumes Yoruba, ils ont fait la santeria. Alors, parlons de santeria. Un petit peu de juifs, un petit peu de musulmans, un petit peu de santeria, un petit peu de catholicisme, de christianisme, un petit peu des Amérindiens, un petit peu de toutes les religions qu'il y a dans l'Inde, qu'il y a l'hindouisme, il y a beaucoup de choses. Tu pratiques en plus yoga. Tu fais ta sélection de qu'est-ce que tu veux de chaque monde et fais, enrichis ton château personnel pour construire ou pour construire ta propre paix. C'est nous, les enfants d'aujourd'hui, qui avons le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Mais si on continue à faire les mêmes choses que les ancêtres, on va continuer dans la guerre, mes amours. Ce n'est plus le temps d'imiter, c'est le temps de construire, de reconstruire, de créer. C'est ça le temps maintenant. Alors je continue. Cette guerre est, entre autres choses, pour voir combien des êtres humains veulent vraiment la paix. Alors, si tu veux la paix, si tu veux vraiment la paix, c'est le temps.
parce que cette guerre est pour voir si vraiment tu as la paix à l'intérieur de toi. Si tu as la paix à l'intérieur de toi, je me répète, la paix va arriver à toi. Même si tu es entouré, de ce côté de moi, c'est mes voisines, je ne vis pas toute seule, vous savez. Alors, même si vous êtes dans un endroit de chaos, le chaos ne sera pas capable de vous toucher si vous avez la paix à l'intérieur. Le chaos va s'éloigner de vous. Alors j'espère que j'étais assez claire, je parlais beaucoup aujourd'hui. Alors j'espère que j'étais assez claire. Je vous embrasse très 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 fort avec tout mon cœur. Je vous dis merci, merci aux Canadiens francophones une fois de plus pour m'avoir permis de vivre 12 années de ma vie entre vous. Je me considère encore une Québécoise en partie. Et bon, je continuerai à être canadienne, j'ai mon passeport canadien, ma citoyenneté. Je vais aller vous voir, bien sûr, quand le temps sera venu. Mais c'est mon temps à moi de continuer à répandre la paix que j'ai dans mon intérieur et l'amour que j'ai dans mon intérieur, le répandre pour le reste du monde. Alors, je vous dis merci parce que vous m'avez aidé à réfléchir à propos de la grande vérité de tout être humain qu'on est chez nous, partout dans le monde. Alors, je vous embrasse fort. Passez une bonne journée, un bon après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit. Ça dépend de l'heure que vous voyez la vidéo. Alors, on se voit bientôt, bientôt. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Idelmis Fernandez et je serai ici sur Facebook ou sur Instagram. Alors, bye bye, à bientôt.